Et salut à tous, c'est Clément, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'AOE France. Aujourd'hui, je vais vous présenter 10 astuces méconnues sur Age of Empires 2 qui devraient vous apporter un petit plus pendant vos games sur le jeu. Donc vraiment, peu importe si vous êtes un débutant complet qui joue uniquement contre l'IA, ou au contraire si vous êtes un joueur habitué du multi qui fait des 1v1 tous les jours, je pense vraiment sans prétention que je peux vous apprendre quelque chose sur le jeu. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec la vidéo. Allez, on est parti pour la première astuce de cette vidéo, une astuce qui concerne la chasse de sangliers, une étape qui se passe pas forcément toujours très très bien pour tous les joueurs. Donc effectivement, ça arrive qu'on oublie complètement le villageois qui était parti chercher le sanglier, mais dans ce cas-là, c'est quand même possible de le sauver. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser une fondation de bâtiment, donc de préférence une maison, mais si vous n'avez pas le bois, ça peut aussi fonctionner avec une palissade. Donc on va poser cette fondation sur le sanglier, et ce que ça fait, c'est que ça annule l'aggro du sanglier, donc il oublie complètement que vous étiez en train de l'attaquer. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, il n'y a plus qu'à reculer un petit peu, reprendre le sanglier, et continuer à le chasser normalement. Un truc intéressant à savoir aussi, c'est qu'on peut utiliser un mouton pour bloquer le sanglier. Donc voilà, si votre sanglier il est un petit peu loin, ou si vous n'avez pas forcément envie de faire métier à tisser, moi je vous conseille de garder un mouton pas trop loin du sanglier, et une fois que votre villageois passe avec le sanglier derrière, vous utilisez le mouton pour bloquer le sanglier. A savoir aussi que l'astuce de poser une fondation de bâtiment, elle fonctionne aussi avec les loups. Donc si vous avez un villageois qui se fait attaquer par un loup et qui n'a pas métier à tisser, pareil, poser une fondation de bâtiment sur le loup. Juste la seule différence, ça va être que le loup, il reprend son aggro quelques secondes plus tard. Donc ce qu'il faut faire, c'est murer entièrement le villageois et ramener soit le scout, soit un autre villageois pour le sauver. En numéro 2, je vais vous parler des villageois et de la récolte de ressources. Normalement, quand vous changez un villageois de tâche, il va perdre toutes ses ressources s'il en transportait. Sauf qu'il y a une exception à ça, c'est quand vous construisez un bâtiment économique, donc soit un moulin, un camp de mineurs, un camp de bûcherons ou une ferme. Donc, quand vous construisez un de ces quatre bâtiments, le villageois il va déposer ses ressources automatiquement quand la construction est terminée, peu importe la ressource qu'il transportait. Donc même s'il transportait de la nourriture et qu'il construit un camp de bûcherons, vous allez récolter la nourriture à la fin quand le bâtiment est construit à 100%. L'intérêt de cette astuce, c'est que souvent, quand vous allez construire un bâtiment économique, vous n'aurez pas besoin, au préalable, de déposer les ressources. Donc, par exemple, quand vous faites un scout rush, vous avez souvent plein de villageois qui récoltent les petits arbres autour du forum. Donc, dès que vous prenez ces villageois-là pour faire des fermes, il n'y a pas besoin de les faire revenir au forum pour déposer le bois. Le bois, il va être déposé automatiquement quand la ferme sera construite. Donc évidemment, ça reste vrai tout au long de la game dès qu'on va faire une ferme. Quand on fait la macro, hein, généralement on met plein de villageois au bois, et dès qu'on a 60 de bois pour faire une ferme, on en fait une. Donc voilà, pas besoin de déposer le bois à chaque fois avant de faire la ferme. Un autre cas de figure auquel je pense, c'est quand vous voulez par exemple faire un camp de bûcherons, et qu'il y a un pack de serres juste à côté. Donc ça coûte rien du tout en fait de prendre un serre avec les villageois, et ensuite de leur faire construire le camp de bûcherons. Comme ça, dès que le camp de bûcherons est construit, bah, la nourriture est déposée automatiquement dans vos ressources. En numéro 3, j'aurais pu vous montrer comment bien voler un sanglier, mais honnêtement, c'est pas conseillé pour les joueurs débutants, et en plus, c'est pas beau jeu. Donc à la place, ce que je vais vous montrer, c'est comment empêcher le vol de sanglier efficacement. Première méthode qui, selon moi, est la plus simple et la plus efficace, ça va être, dès qu'on se rend compte qu'on se fait lame, de prendre notre scout et d'essayer de le faire passer devant le sanglier, donc faire des passages de droite à gauche, pour justement bah, freiner le sanglier, et essayer de lui faire perdre contact avec le scout ennemi. Donc comme ça, si votre adversaire il est pas attentif, bah, il va assez rapidement perdre contact avec le sanglier. Donc c'est une première méthode qui a quand même ses limites, parce que si votre adversaire il s'y connaît un petit peu en laming quand même, il va juste s'arrêter dès que le sanglier est bloqué, et il va l'attendre tranquillement. Ce qu'on peut faire aussi, c'est tout simplement faire un clic droit sur le scout ennemi. Comme ça, dès qu'il s'arrête ou dès qu'il fait un zigzag pour attendre le sanglier, il va prendre un coup. Avec cette méthode, vous n'êtes pas assuré de ramener le sanglier chez vous, mais vous êtes sûr au moins de faire un petit peu de dégâts au scout ennemi, ce qui est toujours une très bonne chose à prendre. Dans le cas particulier où c'est un guerrier aigle qui essaye de vous lame, donc si vous jouez contre un Maya, un Aztec ou un Inca, ce que vous pouvez faire, c'est passer devant le guerrier aigle avec votre scout. Donc le scout est plus rapide, normalement, donc il n'y a aucun problème pour faire ça. Et vous allez essayer de bloquer le guerrier aigle, comme ça vous laissez le sanglier faire le travail à votre place. Maintenant, dans une vraie partie, on va essayer en fait de mettre en application toutes les différentes méthodes dont je viens de vous parler. Et surtout, on va essayer d'alterner au maximum afin de piéger l'adversaire et de lui demander énormément d'attention.
Donc voilà, on va peut-être commencer par essayer de bloquer le sanglier en faisant des passages de droite à gauche. Forcément, bah, ça va forcer le scout à s'arrêter. Vous allez pouvoir en profiter pour lui mettre un petit coup. Il va devoir repartir, etc. Donc tout ça va lui demander énormément d'attention. Pour l'instant, il sera peut-être pas complètement focus sur son écho. Il va peut-être oublier de créer des villageois, etc. Voilà. Et bah, d'un côté, lui, il doit être concentré pour pas perdre l'aggro du sanglier, mais il doit aussi être concentré pour pas perdre son scout bêtement s'il laisse le sanglier le taper. Voilà, tout ça, ça peut être assez bénéfique pour vous hein, si pendant ce temps il gère pas bien son économie. Et en plus, dans tous les cas, il va perdre des points de vie sur son scout. Voilà, c'est. Même si vous n'arrivez pas forcément à ramener le sanglier à la maison, ça peut être une bonne opération pour vous. L'astuce numéro 4, elle concerne les navires d'incendie, donc une unité qu'on va retrouver très très souvent sur les maps comme Quatre Lacs ou Méditerranée. Une chose importante à savoir sur eux, c'est que le projectile qu'ils envoient, donc le feu qu'ils envoient, il peut pas traverser des obstacles ennemis. Donc il peut pas traverser soit les bâtiments, soit les unités ennemies. Donc là, on le voit très bien ici, hein, le feu que le bateau rouge envoie, il peut pas traverser le port du jaune, il fait pas de dégâts au bateau jaune. Dans les faits, c'est un petit peu compliqué de forcer une fight à cet endroit-là, dans le coin d'un port. Mais ce qu'on peut faire à la place, c'est utiliser les bateaux de pêche. Donc on va prendre un bateau de pêche, on va le faire passer comme ça devant nos navires d'incendie. Comme ça, ils vont tanker les dégâts. C'est eux qui vont prendre les dégâts des fire ennemis. Et une fois qu'ils ont plus de vie, bah, une fois que le bateau de pêche a plus de vie, on le fait reculer, si besoin, on en ramène un autre, et ainsi de suite. Voilà, si votre adversaire est pas attentif, bah, forcément ça peut retourner la fight en votre faveur. L'astuce numéro 5, je pense qu'à peu près tout le monde la connaît, mais bon, ça fait pas de mal non plus de la rappeler. Donc cette astuce, elle concerne les fermes de bâtiments de 3 cases par 3 cases, mais dans les faits, les fermiers vont récolter sur une surface de 2 cases par 2 cases, qui se situe uniquement sur la gauche de la ferme. Donc les fermiers, ils vont vraiment jamais aller sur toute la partie qui se situe en haut à droite et en bas à droite de la ferme. Donc ça a son importance pour le placement des fermes par rapport aux bâtiments de récolte. Donc les fermes qui vont être placées à droite d'un bâtiment de récolte, donc un moulin ou un forum, vont toujours être plus efficaces que les fermes qui sont placées à gauche. Puisque forcément, vu que les villageois travaillent que sur la gauche de la ferme, ils vont avoir moins de temps de trajet jusqu'au bâtiment de récolte que les villageois qui sont sur la gauche du bâtiment de récolte. Eux, ils vont devoir marcher sur toute la partie droite de la ferme, sur laquelle ils ont normalement pas besoin d'aller. Donc voilà, si on place nos fermes autour d'un forum, bah, faut toujours respecter cet ordre-là. On commence par les fermes sur la droite, puis les fermes en haut et en bas, et enfin on termine par les fermes sur la gauche. En numéro 6, c'est possible d'explorer le brouillard de guerre avec une ferme, ou techniquement avec n'importe quel autre bâtiment, mais avec une ferme c'est moins cher et plus pratique. Donc voilà, ça peut servir pour trouver par exemple un sanglier qu'on n'aurait pas encore trouvé, des moutons, ou n'importe quelle autre source. Puisqu'on parle de ferme, j'en profite pour vous montrer l'astuce inutile du jour. Il est possible de soigner une ferme avec un moine. Voilà, est-ce que c'est un bug? Oui, sûrement. Est-ce que ça a une utilité? Non, pas du tout, mais j'avais juste envie de vous en parler. En numéro 7, c'est sûrement l'astuce la plus complexe que je vais aborder aujourd'hui. Même moi, je la connaissais pas avant de faire cette vidéo. Donc, il s'agit en fait d'une mécanique de hit and run un petit peu améliorée, qui permet de faire accélérer vos unités légèrement au-dessus de leur vitesse de base. Ça reste assez subtil, mais ça marche vraiment. Le principe, ça va être d'enchaîner assez rapidement un clic droit et une patrouille. Donc, toujours vers l'arrière. Et dès que les unités elles ont tiré leurs flèches, on va recommencer. Donc, le fait de changer en permanence de mode de déplacement, donc soit d'un côté on est en clic droit, de l'autre côté on est en patrouille, ça fait que les unités, elles vont devoir constamment se remettre en formation. Et pour se remettre en formation, bah, elles doivent accélérer au-dessus de leur vitesse de base. Donc ça marche de la même façon avec les Mangoudaï, hein. C'est encore plus flagrant parce que c'est une unité qui tire très vite. Mais là ce qu'on voit c'est des paladins avec élevage en face, donc qui ont le plus 15 plus 15% de vitesse, mais ils arrivent presque pas à mettre de coups aux Mangoudaï. Tellement les Mangoudaï vont vite avec la technique de hit and run. Donc ça marche vraiment avec tout ce qui va être unité à distance, là même avec des Drakkar par exemple. Donc je sais que ça peut être, c'est une technique qui est peut-être un peu difficile à voir en vidéo, mais vraiment je vous invite à tester par vous-même, essayer de trouver le bon timing pour que ça marche, et clairement vous allez sentir la différence. Donc voilà, je répète encore une fois, hein, il faut faire un clic droit tout simple, puis après on fait une patrouille.
on attend que les unités aient tiré, et on recommence, et ainsi de suite. En numéro 8, il est possible d'esquiver balistique. Donc, balistique, on rappelle, hein, c'est la technologie qui donne plus de précision à vos archers sur les cibles en mouvement, donc en anticipant un petit peu leur trajectoire. Sauf que forcément, bah, les flèches, c'est pas non plus des missiles téléguidés, hein, donc c'est possible de les esquiver. Donc moi, je vais vous montrer deux techniques relativement simples pour esquiver balistique. La première, ça va être de prendre une unité, donc par exemple ici un archer de cave, et de la faire avancer devant notre armée, et lui faire changer de direction assez rapidement, de droite à gauche, pour attirer un petit peu les flèches. Comme ça, les unités en face, bah, vont rater la plupart de leurs flèches, parce que c'est impossible de prédire la direction que va prendre cette unité. On pourrait même la faire patrouiller, hein, devant notre armée, un petit peu pour automatiser le truc, mais c'est pas non plus nécessaire et ça marche un petit peu moins bien. La deuxième solution, c'est plus quand vous voulez vous enfuir, hein. Vous pouvez changer très rapidement de formation avec les raccourcis. Donc vous passez de la formation standard à la formation flanc. Donc ça permet en fait de changer la direction de vos unités en permanence. Et comme ça, c'est vraiment impossible à prédire pour les unités ennemies qui ont balistique. Donc ça, c'est vraiment mon petit niveau de 1800-1900 d'Elo, hein. Quand c'est les pros qui font ça, bah, c'est autre chose. Je vous laisse regarder par exemple ce clip d'Era. Franchement, c'est assez impressionnant. En numéro 9, je vais vous parler d'une règle très spécifique, qui est assez peu connue même parmi les meilleurs joueurs du monde, et qui concerne le déplacement des unités. Alors, dès qu'un groupe d'unités qui est en formation standard se déplace de plus de 10 cases, en fait il va pas garder sa formation, et les unités au lieu de ça, elles vont former une sorte de colonne, et elles vont se remettre en formation uniquement quand elles arrivent à 10 cases de leur point d'arrivée. Donc ici, on peut le voir à la moitié du chemin à peu près. Par contre, si la distance à parcourir est de 10 cases au moins, les unités là, elles vont rester en formation vraiment du début à la fin, donc ce qu'on peut voir sur la gauche. Donc voilà, je vous remonte encore une fois la différence. Sur la droite, je clique à plus de 10 cases, donc les unités elles se mettent immédiatement en colonne, et elles vont se remettre en formation uniquement à 10 cases de leur point d'arrivée. Et sur la gauche, on peut voir que les unités, je les ai cliquées à moins de 10 cases, du coup elles restent en formation vraiment du début à la fin. Maintenant, on va regarder l'application de tout ça en game. La première situation dans laquelle ça va nous servir, ça va être qu'on a des archers contre des mangonos. Donc là j'ai un gros groupe d'archers, j'arrive face à 3 mangonos, j'ai vraiment pas envie de prendre la fight. Et surtout j'ai vraiment pas envie que quand je m'enfuis, mes unités elles se mettent en colonne. Parce que ça pourrait être elles pourraient être très vulnérables contre les mangonos. Là on voit l'exemple où j'ai cliqué à plus de 10 cases, et les unités sont mises en colonne, elles se prennent un gros shoot. Par contre si on fait la même chose mais en cliquant à moins de 10 cases, les unités elles restent en formation, elles s'alignent pas comme des débiles, et du coup elles prennent pas de shoot. C'est exactement le même principe avec les bateaux. Hein. Là par exemple j'ai ma flotte, j'arrive contre la flotte ennemie qui est beaucoup plus conséquente que la mienne, du coup je m'enfuis, j'ai pas envie de prendre cette fight. Le problème c'est que j'ai cliqué à plus de 10 cases, du coup les unités sont mises en colonne, elles mettent 3 plombes en plus à faire marche arrière, du coup je perds énormément de bateaux dans la fin. Par contre si j'avais cliqué à moins de 10 cases, comme on peut le voir maintenant, pour m'enfuir, on voit que les unités elles restent en formation du début à la fin, je prends un petit peu de dégâts quand même, mais beaucoup moins en fait que dans le cas précédent où les unités s'étaient mises en colonne. Dixième et dernière astuce de cette vidéo, on va parler des mangonos et du bonus colline. Donc le bonus colline, hein, vous connaissez tous, c'est un bonus qui donne plus 25% de dégâts aux unités qui se trouvent en haut de la colline, et moins 25% de dégâts aux unités qui se trouvent en dessous de la colline. C'est un bonus qui s'applique évidemment à toutes les unités, y compris les mangonos. Et donc dans le cas des mangonos, ça change quand même pas mal de choses, puisqu'un mangono qui est en dessous de la colline pourra jamais tuer en un seul coup un mangono qui est au-dessus de la colline. Sauf dans un cas précis, Barney vous en a parlé, hein, dans sa vidéo sur la micro, mais quand vous supprimez votre mangono après avoir tiré, ça annule le bonus ou le malus de dégâts. Donc si on supprime le mangono qui est en dessous de la colline après avoir tiré, on est sûr de one-shot le mangono qui est au-dessus de la colline, alors que normalement ça devrait pas être le cas. Donc ça c'est la partie qui est quand même relativement connue de l'astuce sur les mangonos. Par contre il y a une seconde astuce sur les mangonos qui est pour le coup beaucoup moins connue. Donc déjà avant toute chose faut comprendre comment les mangonos fonctionnent. Les mangonos ils vont faire une sorte de dégâts de zone, c'est-à-dire que le point au centre de l'impact du mangono, il y aura 100% de dégâts. Et plus on s'éloigne de ce point, moins les dégâts seront importants. Donc là on le voit sur la droite, quand on fait un shoot, normal,
la zone au centre de l'impact, les unités, les archers vont mourir. Et plus on s'éloigne, moins les archers vont prendre de dégâts. Et c'est là que la seconde astuce rentre en jeu. Donc quand on supprime de la même façon le mangono juste après avoir tiré, les dégâts ils vont plus être progressifs. Les dégâts en fait ils vont être de 100% sur l'ensemble de la zone que le mangono a touché. Donc là on voit clairement la différence, hein. D'un côté j'ai perdu 4 ou 5 archers, de l'autre côté j'en ai perdu une quinzaine. Ça, Hera la connaît très bien cette astuce. Et je pense que pour finir cette vidéo, on va encore regarder un clip de Hera. Et lui, il le fait très très bien, la suppression des mangonos. Oh my god! That was the best shot I've ever gotten in my life! The delete. Oh, the delete trick is dirty! The delete trick is dirty, man! Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que je vous aurai vraiment appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. En plus c'est une vidéo qui m'a pris énormément de temps et qui m'a demandé beaucoup de travail, donc un j'aime ça fait toujours très plaisir. Si vous avez des commentaires, des questions, si ce que j'ai dit c'était pas très clair, n'hésitez pas à le demander dans les commentaires. Voilà, on lit tous vos commentaires, on essaie d'y répondre au maximum, vraiment n'hésitez pas. Et puis vous pouvez aussi vous abonner bien sûr pour soutenir la chaîne, je sais que beaucoup d'entre vous le sont pas forcément, donc voilà, c'est aussi une bonne chose pour être au courant de toutes nos prochaines vidéos. Et pour finir, je voulais aussi remercier l'ami Cypher, qui m'a vraiment beaucoup aidé pour filmer certaines des séquences vidéo. Merci beaucoup à lui. Et puis voilà, donc on se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos sur Age of Empires 2, bien sûr, très prochainement. Allez, je vous fais des bisous, et à bientôt!